Hey, salut tout le monde, c'est Quamangus, bienvenue sur FIFA 14 dans le mode Be a Pro avec mon petit personnage, Quamangus, mon petit joueur, 1m82, 75 kg, 70 de technique, 28 de défense, 59 de mental, 56 de passe, 78 de physique et 69 de tir, 77 de général. Et comme vous le savez, bon, si vous suivez un petit peu ma carrière, il a signé à Arsenal, il y a eu un vrai transfert. Là, ce n'est pas un prêt, c'est vraiment un transfert. Voilà. Récemment arrivé de l'Olympique de Marseille pour 5,5 millions. Je touche 90 000 euros. Magnifique salaire. Demande de prêt. Non, on va voir un petit peu ce que ça donne à Arsenal. Alors je vous avoue que je vous vais montrer un petit peu l'effectif d'Arsenal. Comment dire, je ne pense pas que je vais beaucoup jouer. Voilà. Je suis pas sûr, hein, mais bon. Je ne pense pas jouer beaucoup honnêtement, mais bon, on verra bien. Info Club, Arsenal nouvelle recrue arrive. Quamangus est le dernier et le plus talentueux des nouveaux arrivants dans le club cette année. Alors que tous les yeux seront braqués sur lui, chacun se demande si ce joueur, attaquant de 23 ans, saura répondre à tant d'autres placés en lui. Je suis convaincu que Quam a le talent pour s'imposer dans l'équipe, a avoué Arsène Wenger. Cela dépendra surtout de sa capacité à s'entendre avec les autres joueurs. Eh bah, merci Arsène, ça me flatte, merci. Quamangus ravi de partir, bah oui. Hein. C'est sûr que je voulais partir, donc voilà. Donc, bah voilà, écoutez, merci Arsène, ça me touche. Et puis bon, on va voir ce que ça donne dans le Arsenal, donc. Hein. Est-ce que je vais jouer et tout ça Ah, Agüero apparemment. Agüero qui pourrait partir. Donc là, c'est pas sûr que je joue. D'ailleurs, à mon avis, je ne jouerai pas, mais bon. Alors, voyons voir. Calendrier. Ah bah, c'est direct la première ligue. Après, il y a le... qualif pour le tour préliminaire pour l'Europa League. Donc voilà, la BPL, en tout cas, c'est parti. Alors du coup, là, attendez que je regarde l'heure. Ok. Donc là, je ne suis... honnêtement, voilà. Je vais avancer, je filme. Donc c'est pas sûr qu'il y ait des matchs. Honnêtement, c'est pas sûr du tout qu'il y ait un match même. Je dirais même que voilà. Arsenal qui bat 2-0 Swansea, bien joué les enfants. On avance. Peut-être que je vois le tour préliminaire, hein. Non plus. D'accord, bon bah ok. C'est pas grave. On me laissera bien ma chance pendant. Sur un match au moins. Mais quand on voit l'équipe, hein, Podolski, Agüero, Walcott, Wilshere, 4-0 pour Arsenal. Double d'Agüero. Ah oui, ils ont Bettner, ils ont... Ah bref, ils ont une belle équipe de folie, là, Arsenal. Mais bon, on verra bien. Alors, en temps ordinaire, je vous aurais dit, bon, on se retrouvera quand je ferai un match. Mais là, non, je vous montre mes débuts à Arsenal. Voilà. 2-1, bien joué, les enfants. Pour vous montrer que, voilà, je ne joue pas pour l'instant. Ok. Quand je jouerai, il faudra pas que je rate. Hein. Franchement, ce sera le match de l'année à ne pas rater. Victoire encore, bien joué les gars. L'Europa League, on est qualifié. Yes. Alors, c'est quoi? Match de calé. Ok. Pam. Manchester United décalé, Liverpool décalé, Sunderland décalé. Ok. On va voir ça. Donc là, prochain match contre Chelsea. Après, donc... Ah, ça y est, donc on est contre le... les Red Bull, mais c'est les... C'est Salzbourg, il me semble. Ouais, c'est Salzbourg. Avec... Ghent, comme vous voulez. Et... Stuttgart. Ok. Stuttgart, Ghent et Salzbourg. Ouah, c'est un groupe pas trop compliqué, ça devrait aller pour... Donc là, peut-être que je jouerai. C'est un match, c'est un groupe assez facile là pour Arsenal, tranquillou. Je n'ai pas été retenu pour contre Chelsea, ok. C'est pas grave. Donc là, si je ne joue pas, honnêtement, je vais vous faire une petite vidéo de 20 minutes, hein, pas plus. Ça sert à rien, voilà, si je joue pas, ça sert à rien. Et par contre, pour la semaine prochaine, j'essaierai de...
Bah, de vous montrer que quand je rejoue, quoi. Mais là, ce que je vous laisse, que vous puissiez voir quand même, voilà, la saison qui se défie, qui se déroule. Voir un petit peu bah, ce qui se passe, quoi, avec les matchs, les championnats, la Coupe d'Europe et tout. Bref, là, on peut voir quand même qu'il y a pas mal de joueurs appelés en sélection. Pas moi, bien sûr, mais voilà, là, ça change de mes équipes où il y avait un ou deux joueurs. Là, il y a beaucoup de monde en sélection. Bref, les transferts se terminent dans 10 heures. Bettner a été vendu. Ah, ça peut être bon pour moi, ça. Bon, il y a du monde, hein, mais bon. Faudrait qu'ils vendent beaucoup de joueurs à Arsenal pour que je sois titularisé, mais bon. Bettner étant vendu, c'est pas mal. Balanov, bueno. Donc là, comme d'habitude, je vais juste aller faire un petit tour après. Côté restera qu'une heure, voir un petit peu ce qui s'est passé pendant ces transferts. Pour l'instant, 46 millions. Chelsea, ils ont vendu Lukaku. Tuchel, ils ont acheté Riera Maguem, que je connais pas. Allez, c'est parti là. Plus qu'une heure. Voilà. Alors. À Fulham, arrivée de Roux de Viviano, aucune vente. Ça, je ne connais pas ce club. Il n'y a rien qui s'est passé. Liverpool, ils ont acheté Marcelo, ils ont vendu Jones. Manchester City, Thiago Ganso. Wow, excellent. Manchester United, rien eu. Newcastle, Aldemore, Granero. Ça, je connais pas. C'est eux qui ont acheté Bednarek, d'ailleurs. Je ne connais pas ce club. Ouais, ça c'est les Queen's Park Rangers, si je me trompe pas, Zimmerman. Ouais, bon bah les gros n'ont pas fait d'autre de folie, hein. J'aimerais avoir Arsenal, donc Arsenal. Ils ont vendu le gardien, c'est Chesney et Bettner. Acheter Wengus, oh, ça le fait quand même. Excusez-moi. J'aimerais Chelsea, voilà, Chelsea, Barry Ramagame, Lukaku. Ok. Bon bah écoutez, hein. On avance. Voilà, les transferts sont terminés. Pas de prêt, rien. Je reste à Arsenal pour l'instant. Et on avance. C'est Aston Villa, je crois, le prochain club. Je t'ai retenu. Ouh, excellent. Excellent, excellent, excellent. Bah voilà. Premier match à Arsenal contre Aston Villa, à domicile. Comme je vous l'ai dit, il y a le match à ne pas rater là. C'est un match important. Va falloir que j'assure. Oh là là, quand même, ça fait plaisir de jouer avec ce maillot d'Arsenal, quand même, c'est vraiment excellent. Vous allez jouer en pop, 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 en maillot, ouais. Ouais, maillot comme ça, au final, pourquoi pas. Alors, Fabianski, Jenkinson, Vermeulen, Nkoulou, Gibbs, Ramsey, Wilshere, Walcott, Podolski, El Khadouri et Kwame Owengus, Aguero. Et Dzeko, pourquoi ils ont Dzeko aussi, pouf, sur le banc de touche. Et bah écoutez, on me fait confiance pour ce match BPL. C'est parti! Bonjour, Hervé Matou avec vous. Je suis avec Franck Sauzet et nous avons rendez-vous aujourd'hui avec la Barclays Premier League. Premier match. C'est un spectaculaire championnat anglais. Ça fait plaisir. Je vous laisse là, rien que pour ça, parce que c'est mon premier match, ou même là. Voilà. Et Aston Villa. Voir Kwame Owengus en buteur d'Arsenal, ça, waouh, ça fait du bien, ça fait quelque chose. Allez, c'est parti. A tout de suite, c'est les buts. Celui du public et ça risque d'être déterminant. Un candidat déclaré pour le titre et qui connaît un début de championnat compliqué, hein, c'est l'une des surprises de ce début de saison. Il ne faudrait pas que le but s'enchaîne. Sur la première action, ou le poteau et le but. Et bah ça commence bien. Deuxième minute et but pour Aston Villa. But de Wayman. Et bah ouf, ça change, hein. Ça change mes autres pays. Quelle action, championnat, regardez là, quelle action. Oh là là, le c'est contrôle, tout est parfait. Le belle frappe sur le poteau. La reprise de et lui la repose au bout, il l'achève le gardien. Et bien voilà, deux de jeu, 1-0 pour celui là. Sur le terrain d'Arsenal. Il est fusillé à bout portant. Voilà, après cette ouverture du score, ça fait 1-0. Jack Wilshere. Est-ce que ça va suffire alors? Ederson, il reste seul.
Peut-être une élongation. Nuri Sahin. Ça continue. La faute sur but là. Mais bon. Égalisation de Chamberlain, la 90e du jeu. 97e. On aurait pu avoir pénalité sur moi là, mais bon. Et c'est l'avantage, Chamberlain a tiré. Et c'est le but, la 93e du jeu. Ça va mieux. Mais bon, il y a peut-être légèrement faute sur moi tout de même. Mais bon, après, il y a un but de Chamberlain, c'est le principal. Allez, les gars là. Attention, on ne sait pas, voilà. Et d'après le geste, ça ressemble à une élongation. Oh non ! Oula, super barré. Magnifique arrêt. Et c'est la fin du match. Un but partout. Il y en a un but à la deuxième, un but à la 93e. Il fallait ne pas rater le début, ne pas partir pour la fin. Égalisation donc du Chamberlain. C'est tout à fait logique, c'est sûr. Moi, j'ai 5 points de note, un tir cadré, 3 tirs non cadrés. Merci d'avoir passé ce match en notre 88% compagnie. De passe, Franck, bon, ce fut très, un plaisir bon, comme d'habitude. A bientôt. Voilà, bon, bah, on a fait 7 tirs, 4. Bon, on a cadré 2, on a marqué 1. Nous, 7, ouais. C'est moi qui n'ai pas cadré, surtout, bien sûr. Voilà, bah, donc Chamberlain, bah, parfait. Oxlade Chamberlain. Qui nous fait rapporter ce petit point. Bah, heureusement, on a eu chaud. Alors, je suis pas sûr que ma... forme du joueur mauvaise en plus, mais je suis pas sûr que ma performance ait satisfait les Wenger. J'arrive même qu'à mon avis, mais c'est ma chance, j'ai pas su la saisir, pourtant j'ai eu 2-3 bonnes occasions où j'aurais pu conclure. Mais bon, j'ai tiré à côté, bon bah voilà, tant pis, hein, c'est pas grave. On va avancer là contre Sunderland, il me semble, voilà, Sunderland. Aïe. Donc du coup là il va rester encore un petit quart d'heure on va dire. Arsenal bien 2-1 face à Sunderland, bien joué les gars. La coupe je ne la joue pas non plus. On ira faire un petit tour au niveau de voir le classement là après ce match. 4-1, parfait les gars. Aguero qui met un doublé en plus. Au classement nous sommes donc 7ème après. 7ème. Manchester United tranquille, toujours pas de défaite. Arsenal, une défaite seulement, donc ça va, c'est pas non plus désastreux. On est à 10 points, bon voilà, on est à 3 points de Manchester, ça va. Allez, on avance. Je ne joue toujours pas, mais bon, je vous dis, ils m'ont même laissé ma chance. Je suis un peu foiré mon match, bah c'est comme ça, hein, que voulez-vous. Comme je vous dis, ils ont une superbe équipe, hein, voilà, ils ont des échos, dans tout le monde, quoi. 7 jours, bon. Dommage, pas assez loin. Mec l'enculé. Ah non merde, j'aurais préféré qu'il se baisse plus moi quand même, bordel. Non, bien sûr que non. Bon bah voilà. La saison avance, nous sommes déjà maintenant en septembre, le 28 septembre. Contre Rent, alors, contre Ghent, un but partout. But de Afobe. Ah, ça va peut-être faire jouer tout ça. Hein. Deux matchs qui s'enchaînent directement là. Wow. Et ça, c'est en Angleterre aussi, hein, c'est que les matchs s'enchaînent. Contre Southampton, et bah écoutez, voilà, il y aura ce match là. Et on se quittera sur ce match là. Merci de me faire jouer, merci pour ta confiance. Merci. Allez là, contre Southampton, faut pas que je me rate. Hein. Il faut que j'assure absolument. Ouais, bah, jouez comme ça si vous voulez. On va jouer en jaune, y a pas de souci. Allez, unique buteur encore de l'équipe. En pointe. Bonjour, Hervé Matou avec vous. Southampton Arsenal. Mon deuxième match. C'est magnifique et spectaculaire. Oh, je le rate ce match. Ça fait du bien en tout cas, encore une fois. Qu'ils fassent confiance, là, voilà. Ouais. Ces deux équipes qui font une juste dire que j'étais pas si mauvais, que je fais un bon tour de match, mais derrière, c'était fin de match, on est bloqué, c'est pas n'importe quoi. Ils sont peut-être dit, bon, allez, on lui fait confiance. L'arbitre de ce match, ce sera monsieur. Bon, en tout cas, c'est parti pour le match entre Southampton et Arsenal. A tout de suite, s'il y a des buts, bien entendu.
Jack Wilshere. Oh, attention la balle. Il est en position idéale, il va marquer. Le but. 22e minute du jeu, ouverture de score pour Kouamouangis. Une petite danse pour fêter ça, c'est normal. Belle passe, mais le défenseur s'est carrément troué. Alors là, je ne pensais même pas avoir la balle. Puis après, bon, droit de face, puis à l'extérieur du pied. Et ce but. On verra pas le défenseur qui se trouve complètement. Ça m'a surpris d'avoir la balle. Je pensais pas la récupérer. Et voilà. Premier but, ouverture du score pour Arsenal à 22e minute, but de Kouamouangis. Et premier but de couleur de Arsenal. Steingaller. Ouais, c'est bon, mais non, bon temps. Très bonne lecture du jeu là sur cette interception. Steingaller. Il reste seul. Peut-être une innovation. Daniel Fox. Et l'arbitre au siffle là. Allez. Daniel Fox. Alors peut-être aller. 5 minutes. Voilà, voilà. Victoire d'Arsenal. Sur le temps de Southampton. But de Kouamouangis à la 22e minute de jeu. Eh ben, ça me fait plaisir. Magnifique. Ça fait du bien. Vous avez raison, c'est l'un des bons rigueur défensive. 6 points 4 de notes, 4 tirs cadrés, 2 non cadrés, 1 but. Le sentiment que rien ne passera. 40% de passe, c'est assez mauvais. Tranquillement. Mais bon, voilà, j'ai fait. Merci de votre attention. Merci à vous, Franck, pour vos commentaires. J'ai fait 7 tirs, 4 cadrés, 4 tirs, 1 cadré. Chamberlain, encore une bonne note pour lui. Enfin voilà, une belle victoire d'Arsenal, ça fait plaisir, ça me motive. Ça fait du bien. Je vous le dis, ça fait du bien. Voilà, c'est tout. Je n'ai toujours pas reçu, enfin sélectionné en équipe nationale. Ce n'est pas grave. Ça n'est pas un match pour la Russie. Hein. Voilà, voilà. Bah écoutez, moi je vais. Non, je vais d'abord faire ce match-là. Enfin, le faire, le simuler. Et on se quittera là. Alors, du coup, la vidéo, je sais, elle durera pas forcément super longtemps. Mais bon. Voilà. Pourtant, on va avancer un petit peu. Mathieu Flamini suspendu. Pam, 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 pam. Allez, on va. On est à quelle date là? Alors. Allez, on va aller jusqu'à fin octobre. Sauf s'il y a un match que j'aurai pas le temps de jouer. Mathieu Flamini suspendu. C'est pas grave. Flamini sort. Oui. Donc la mission, je n'ai pas été retenu face à Northwich. Là, on doit les éclater normalement. Ah bah non, un but partout. But de Aguero. On avance là contre le Stuttgart. Je n'ai pas été retenu, dommage. Ça m'a fait plaisir de jouer un match d'Europe, Coupe d'Europe, l'Europa League. 2-0, bien joué les gars. Alors si vous voulez voir les choses, hein, vous mettez pause et c'est tout. Les scores, les buteurs et tout. Chamberlain, suspendu. Stock City, je crois ça. Voilà. Bon bah, je joue encore, du coup, bon, ce sera mon troisième match, mine de rien. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, voilà, donc moi je vous dis, bah, merci à vous de m'avoir suivi. Je suis désolé si les vidéos ne durent pas longtemps, mais bon, voilà, encore une fois, c'est comme ça, c'est tout. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour ce match entre Stock City et. Enfin, non, entre Arsenal et Stock City. Ça fera mon troisième match, hein, mine de rien. Voilà, pour l'instant, deux matchs, un but. C'est pas si mal, je fais des débuts pas trop mauvais. Je vous rappelle mes objectifs tout de même, mais il faut que je marque 9 buts. Ce qui va pas être simple, hein, vu que je ne joue pas énormément. 6.4 de notes, je suis à 6.10 pour l'instant. Yash, 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 c'est pas terrible. 5 passes décisives, mais encore une fois, je ne joue pas beaucoup, ça va être dur. Et enfin, je suis à 10%. Il me faudra 10% de but de partir. Voilà, voilà, voilà. Bah écoutez, merci d'avoir suivi les aventures de Kouamouangis Arsenal en début de la BPL. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Plein de buts, je l'espère, surtout de Kouamouangis. Et voilà, allez, prenez bien soin de vous. Et je vous dis donc à la prochaine. Ciao tout le monde.